Lire la Bible. C'est en quelque sorte correspondre avec cette parole. Échanger des petits mots comme merci, pardon ou s'il te plaît. S'interroger et s'émerveiller. Se laisser interpeller. Méditer, s'approprier et se confier. Et garder dans ces pages une trace, une empreinte de ce dialogue. La Bible Journal de bord, un temps d'écoute et de parole.